Écoutez, d'abord, il faut rappeler que cette escalade a été déclenchée par Israël sans que Israël, au moment où il mène ses opérations, n'ait subi aucune attaque. Donc, effectivement, c'est Israël qui est à l'initiative. Aujourd'hui, Israël a tué un certain nombre de responsables, du djihad. En tous les cas, c'est ce qu'ils affirment. Ils ont tué une trentaine de civils en plus. Je veux dire, eux, ils voudraient limiter le conflit parce que on sait très bien que ce conflit n'aboutira nulle part. C'est la quatrième ou cinquième guerre que Israël mène contre Gaza, avec des centaines de gens tués. Il y a toujours une escalade, il y a toujours des morts essentiellement palestiniens, mais aussi israéliens. Et à l'issue de cette guerre, on va avoir un communiqué de l'armée israélienne pour dire, nous avons renforcé notre capacité de dissuasion, nous avons détruit les infrastructures terroristes, et on sait que ça va recommencer dans un an. Pour une raison très simple, c'est que le peuple palestinien vit sous occupation à Gaza comme en Cisjordanie, et que cette situation ne peut déboucher que sur des violences, elle ne peut déboucher que sur des affrontements. L'idée qu'ils vont simplement négocier et que ça va se calmer, c'est faux. Il y a, en plus à Gaza, nous avons un territoire qui est sous blocus depuis 15 ou 20 ans. Vous savez ce que c'est pour un jeune de ne pas pouvoir sortir? Il y a des gens qui sont nés à Gaza, ils ne peuvent pas sortir du territoire. Et effectivement, ça crée une volonté de résistance, une volonté. Ils sont prêts effectivement à tout, mais c'est cette situation qui crée les escalades successives. Malheureusement, Israël ne tire aucune leçon, et malheureusement, il faut le dire, la communauté internationale, les États-Unis en premier lieu, laisse faire sans aucune réponse, alors qu'il y a des dizaines de résolutions des Nations Unies qui disent qu'Israël doit se retirer des territoires occupés. Mais on n'accepte pas, enfin, Israël n'accepte pas de se plier à ces résolutions et se plaint d'être l'agressé, ce qui est quand même un paradoxe.